Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges, cette semaine consacrée à deux lieux touristiques très fréquentés dans notre département. Nos deux invités accueillent chaque année de très nombreux visiteurs dans leurs parcs respectifs. Patrice Fleurant est le directeur du parc d'attractions Frépertuis City, Régis Laurent est celui du site Boldère à la Bresse. Deux lieux emblématiques dans le département qui ne datent pas d'hier. L'univers western de Frépertuis remonte aux années 60, 66, même si je ne me trompe pas. Boldère a vraiment débuté dans les années 2000, mais a été pensé bien avant. Retour sur deux épopées, l'une familiale, l'autre née d'une passion. On en parle pendant 26 minutes avec nos deux invités. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Merci d'être sur notre plateau. Alors, avant de revenir sur l'histoire, sur les histoires et les évolutions de vos sites, commençons peut-être par faire un point. On est le 9 juin. Où ça en est? Est-ce que le bilan est plutôt positif? Patrice, on va commencer avec vous. À Frépertuis, comment ça se passe? Alors nous, ça faisait 2 ans qu'on ouvre en juillet, donc on a ouvert cette année le 9 avril. Et heureusement, on a commencé avec le soleil. Le soleil étant notre meilleur commercial. On peut dire que jusqu'à présent, on fait un bon début de saison. On retrouve les chiffres de 2019, ce qui est assez positif, puisque c'est ce qu'on veut, in fine, en fin d'année. C'est sûr, hein. Régis, de votre côté, à Boldère. Pour nous, ça fait 2 ans que c'était compliqué également. Et là, on a pu travailler en avril. Et puis, on a eu la chance, effectivement, d'avoir des jolis week-ends, belle météo et également bonne fréquentation. Alors vous le dites, hein, 2 années très difficiles, les parcs de loisirs ont aussi été impactés bien évidemment comme tout le monde. On sent vraiment que les visiteurs ont envie de revenir et aussi de dépenser, de se faire plaisir dans les parcs respectifs, Patrice. Oui, c'est vrai qu'il y a une grosse partie de nos visiteurs qui ne sont pas venus pendant ces 2 années, qui en plus... plus de distanciation, plus de masques. On a quand même laissé des distributeurs de gel, mais en gros, ils ont vraiment envie de profiter au maximum. Et je pense que ce soit avec les attractions ou les dépenses dans les différents extras, ce qu'on appelle les extras, stand de maquillage, stand de photo, boutique souvenir. Pour l'instant, la consommation est bonne, donc c'est bon signe. C'est un constat qui est partagé par les autres parcs en France. Vous avez des retours, j'imagine. Mes collègues pour l'instant, depuis le début de la saison, ont les mêmes indicateurs que moi. Donc on espère que la saison va être comme ça, puisqu'on en a tous bien besoin. C'est sûr. Régis, de votre côté, c'est pareil, j'imagine, cette envie de faire peut-être plus de choses aussi. C'est certain qu'on sent vraiment un engouement. Et puis, comme on a beaucoup d'incertitudes, je dirais, sur l'avenir encore, hein, puisqu'on a la guerre en Ukraine, et puis au niveau économique, c'est quand même compliqué, même en approvisionnement à l'intérieur de nos parts pour certains produits, on sent que les gens, ils se lâchent et qu'ils se disent, ma foi, pour l'instant, on profite, et puis après, on verra bien. Justement, alors pour qui profite, on a toujours des nouveautés. On va parler justement de ces nouveautés dans vos parcs. C'est important, c'est primordial, j'ai envie de dire, de se renouveler, de proposer des nouvelles choses, alors pour attirer de nouveaux visiteurs, mais aussi peut-être pour fidéliser ceux qui viennent déjà depuis plusieurs années. Alors, tout à fait. En plus, les 3 dernières qu'on avait faites, c'était en 2020, l'actualité a été plus sur le Covid que sur nos nouveautés. Donc, naturellement, les parcs d'attractions se doivent de réinvestir fréquemment, puisqu'on a une clientèle... On en est très content, qui nous est fidèle et qui aime bien retrouver un changement tous les ans quand ils viennent, plus ou moins important. Mais en plus, là, je pense que cette année, ça avait une double importance. C'était effectivement de relancer la machine parc d'attraction avec pouvoir communiquer sur quelque chose, sur une nouveauté, en plus que on redémarre dans de bonnes conditions, mais il y a une nouveauté à l'appui et c'est pour ça que j'ai un peu... forcément manqué après 2 mauvaises saisons à dire il faut me soutenir sur ce projet-là parce que ça va aussi être un générateur de visiteurs. Mais justement, avant qu'on poursuive, je vous propose qu'on regarde un extrait d'un reportage tourné il y a quelques jours. On était venu à votre rencontre à Frépertuis. Focus sur la nouveauté de l'année, les draisines. On en reparle juste après. Le reportage est signé Thierry Lasson et Thomas Herman. On s'est bien amusé, la fumée, la vitesse. Hein, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, c'est trop bien. Trop bien, les draisines, la nouvelle attraction du parc Frépertuis City à Jean-Ménil, qui ce dernier vendredi du mois de mai a enregistré 4500 entrées, rien que cela. C'est vrai que c'était une belle journée, le pont de l'Ascension était annoncé rouge, et donc ça reste une envie des visiteurs de retrouver le monde des parcs. Ce samedi, ils étaient un peu moins nombreux, 2500 à profiter des différents manèges et donc des draisines,
qui viennent renforcer l'attractivité du parc qui a ouvert ses portes en avril dernier. Il y a une vraie obligation de renouvellement. Les Drésines en font partie puisque c'est un des premiers modèles qui existe en France de cette taille-là. C'est 900 000 euros d'investissement. La conviction qu'on a mis avec nos banques, avec nos partenaires financiers pour leur dire c'est important, ils le savent qu'une nouveauté c'est toujours important, c'est générateur de nouveaux visiteurs. Clairement, là, il s'agit alors d'un renouvellement, puisque c'est un manège qui a pris la place d'une autre attraction qui existait oui, déjà. Hein, oui, oui. On avait effectivement une attraction qui utilisait des moteurs thermiques avec tout ce que ça engendre, que ce soit au niveau des stockages des carburants, mais aussi les vapeurs d'essence, et qui avait un débit relativement faible en nombre de visiteurs jour. Or, quand on fait une journée à 4500, il faut que quand même nos visiteurs puissent profiter au maximum. Cette attraction passe 650 personnes à l'heure, donc ça veut dire que voilà, ils pourront en faire deux ou trois fois sans problème et sans être obligés d'attendre 20 minutes ou plus. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur ce genre d'attraction à très haut débit. C'est ça, pour que ça passe et qu'on profite, qu'on ait vraiment l'impression de profiter. Comment on pense, comment on réfléchit, comment on choisit ces nouveautés sur un catalogue, comment ça se passe? Ouais, en fait, il y a des salons. Cette attraction, c'est un constructeur qui l'a développé il y a très peu de temps, mais qui a vite pris de l'ampleur dans les parcs. Alors sur un modèle plus petit à 8 bras, mais qui était toujours sur une thématique de moto et donc qui convenait pas au parc. Et là, ils ont accepté donc de refaire de la thématiser avec ce qu'on leur avait proposé, à savoir des Drésines. Et en plus, on a un modèle comme celui qu'ils ont ouvert dans le premier parc à Liseberg en Suède, qui est un modèle beaucoup plus gros, donc qui donne encore plus de sensations et moins l'effet de tournique. Et en plus, qui va un peu plus haut. Donc, on est très content d'avoir cette attraction qui reste en même temps familiale, puisqu'on peut y accéder à partir de 90 accompagné. Donc c'est vraiment une bonne attraction. Qui correspond. Et puis voilà. Elle plaît, hein, on a vu. Elle a l'air de plaire en tout cas. La nouveauté, c'est le cas aussi, hein, du côté de Boulder, un Explore Game familial là aussi. Voilà, mais qui était dédié aux petits, hein, pour justement jouer en famille. Et puis les petits aiment bien faire comme les grands. Mais on avait également déjà, dès cet hiver également, illuminé le parc, puisqu'on avait réalisé il y a quelques années le Sentier des Lumières et qui n'avait pas été un succès commercial, mais qui nous a permis de nous roder. Et là, on a le parc qui est tout éclairé, le Bois des Lutins en hiver, qui est vraiment sympa. Et puis également, pour l'hébergement, on a trois cabanes qui se dessinent, dont on attend d'un jour à l'autre les autorisations. Et alors, sur cet Explore Game au Bois des Lutins, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Alors, sans tout nous dévoiler, bien sûr, mais qu'est-ce qu'on peut savoir? En fait, si vous voulez, c'est le principe un petit peu d'un escape game, mais en outdoor. Il y a une sorte de geocaching, c'est-à-dire qu'on a une tablette et avec cela, on se déplace pour l'orientation. Et puis après, on a des parties un petit peu plus scénographié un petit peu. Et puis, il y a un petit peu un résultat, il y a des points. Mais franchement, ça plaît beaucoup, beaucoup. Et puis, on essaie de faire passer toujours un petit peu des messages aussi. C'est le sens un petit peu des parcs sur la nature ou sur réfléchir sur l'avenir. Alors on est vraiment sur une aventure familiale. Là, clairement, on s'adresse... Oui, mais avec vraiment la différence par rapport à notre Explore Game qui existait déjà en extérieur et qui faisait un petit peu un parcours de 2 km qui durait 2 heures. Là, c'est beaucoup plus petit. C'est à l'intérieur du Bois des Lutins, donc c'est captif, il n'y a pas de danger. Et puis, c'est vraiment dédié pour les petits. Et là, on se rend compte que les petits aiment vraiment faire comme les grands. Et voilà, c'est important. Alors les nouveautés, c'est très important, on le voit, vous nous parliez de budget tout à l'heure, ça reste des investissements très conséquents, 900 000 euros pour les Drésines. Après 2 années comme ça, on est quand même obligé d'investir, mais pour autant, est-ce que, on se dit, il faut quand même trouver le bon équilibre. Tout à fait, il faut trouver le bon équilibre, mais on sait pertinemment que c'est très important.
et que c'est aussi l'avenir du parc, puisque si les visiteurs, 2-3 années de suite, ne voient pas de nouveautés, ont vite tendance à aller voir d'autres parcs. Et donc, voilà, il faut rester dans la course. Et aussi bien, malgré 2 années, on continue à penser projet, puisque qui dit nouveautés, dit augmentation de visiteurs. Donc, il faut tout ce qui est bâtiment logistique pour le personnel. Là, effectivement, comme l'a dit Régis, on est dans une année un peu compliquée au niveau des approvisionnements en matière de restauration. Donc, ce qui nous oblige aujourd'hui à passer par des locations de groupes de froid pour pouvoir stocker au maximum. Et on s'aperçoit que ça risque d'être de plus en plus fréquent. Et donc, il va falloir qu'on investisse aussi dans ce genre de choses que le client, le visiteur ne voit pas forcément, mais qui est important. Ouais, ouais. On a les investissements de l'ombre, entre guillemets. Voilà, alors, on parlait un petit peu, pardon, le discours de Patrice. Bah, c'est toujours quand même un pari d'avenir, une nouveauté, et on ne sait jamais vraiment, et il nous arrive parfois de nous planter. Il y a une prise de risque quelque part. Il y a toujours une prise de risque. Et en ce qui nous concerne, on essaie vraiment d'être dans l'innovation, la plupart du temps, pour bénéficier justement d'une couverture média, pour qu'on parle de nous, et puis pour, je dirais, entre guillemets, être un petit peu référent. Et c'est vraiment intéressant parce que du coup, de ce fait-là, on voit maintenant des novateurs qui viennent en nous disant, voilà, on a vu que vous étiez peut-être intéressé, on a ce produit-là, mais on peut essuyer les plâtres. Et aussi, parfois, il y a des réglages qui peuvent prendre du temps. Ce n'est pas toujours facile. Et ça fait partie du... Ça fait partie du jeu, voilà. Alors, on parlait de visiteurs, justement. Qui sont-ils, vos visiteurs? On reste sur du local, Grand Est. Est-ce qu'on va au-delà? Est-ce que vous avez une idée de la cible, Régis, de votre côté, oui, à Bolter? Je pense qu'on est quand même toujours sur des visiteurs globalement Grand Est. On a quand même, bien sûr, gagné un petit peu sur la région parisienne aussi, parce que les Vosges ont bénéficié d'une belle couverture aussi. Mais là, c'est plutôt les longs week-ends ou des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que nous, on a la chance également d'avoir beaucoup d'entreprises. Et je crois qu'il y a 30 millions de personnes dans un rayon de 3-4 heures autour des Vosges et qui viennent aussi dans les périodes printanières ou automnales, en séminaire, etc. Mais qui viennent un petit peu pour travailler. Pas trop, mais s'amuser aussi beaucoup. Ils disent qu'ils travaillent beaucoup, voilà, mais oui, le message, c'est qu'ils travaillent beaucoup, mais en fait, ils s'amusent bien aussi. C'est important. Mais oui, parce que pour que le message porte, il faut être dans une bonne disposition. Et là, ça marche bien. Patrice, de votre côté, le public, est-ce qu'on va au-delà du Grand Est? Alors, non, c'est un peu comme Régis. Hein. Si je prends un compas, je vais faire 180 km autour du parc. En gros, on va aller flirter avec la frontière luxembourgeoise. Un petit peu, Strasbourg, Mulhouse, on va aller sur la Haute-Saône, et puis on va aller flirter aussi un petit peu avec la Meuse. On a la chance quand même d'avoir un département où il y a aussi beaucoup d'hébergements de plein air, de qualité, qui fait que les Hollandais, les gens qui sont... et en plus, ils nous renvoient de la communication, ce qui permet aussi à ces gens-là de venir de manger comme ils aiment ça à toute heure. Voilà, il y en a même qui font de la billetterie pour le parc. Et donc, en la matière, on reste un parc dit régional, même si au-delà des frontières, on parle de nous via des forums, les choses comme ça. Bien sûr. Surtout sur des jeunes qui disent qu'ils sont amateurs de sensations fortes et qui viennent pour des attractions comme Golden Driller, puisque c'est la seule tour de chute qui a la position debout à 66 mètres. Donc, même des fans de parcs, comme mon voisin allemand, Europa Park, qui est la Rolls, eux sont venus il y a quelques semaines et ont refait sur leur forum en disant si, quand vous allez à Europa Park, poussez, il y a une heure pour aller à Frévertie, mais la tour vaut vraiment le coup, quoi. Donc voilà, au-delà des frontières, on arrive à avoir... mais après, le gros de notre clientèle, reste à 1h30 de voiture du parc. Et alors, pour accueillir tout ce monde, il faut des saisonniers, j'imagine. Est-ce que vous rencontrez des difficultés de recrutement? On en parle beaucoup dans l'hôtellerie, notamment, ou sur certaines bases de loisirs. Est-ce que vous êtes confronté à ce problème de recrutement? En tout cas, pour nos activités, on a quand même la chance d'être sur des domaines dits attractifs, hein, même si derrière la scène, il faut quand même bosser. Dans les petites évolutions, nous, on a essayé d'avoir des saisonniers toute la saison. Ça devient un peu plus compliqué. Hein. Souvent, ce sont des étudiants qui financent leurs études et puis qui, du coup, bossent. Donc, c'est quand même intéressant. On peut les garder 4 ou 5 ans, puisque nous, on a un CQP
occupé en formation, ben, qui est quand même assez onéreux. Donc on essaie de les garder longtemps. Mais c'est, on en parlait tout à l'heure, on les voit vraiment grandir. Je pense que c'est une belle école pour eux. On leur laisse des responsabilités, on leur fait confiance. Et puis ben, pour un premier poste dans la vie, je crois que c'est quand même assez sympa. C'est une belle porte d'entrée. Tout à fait. De votre côté, à Frépertuis, donc près de 400-450 saisonniers ouais, en pleine ouais, voilà. Au taquet de l'activité. On fait aussi une grosse flotte pour justement leur permettre, parce que c'est aussi beaucoup d'étudiants, ils ont droit aussi un peu à des vacances, ils ont droit à faire un peu la fête. Donc autant avoir un gros jeu. Sur une grosse journée, on va être en gros 150, mais étant ouvert 7 jours sur 7 avec des amplitudes plus ou moins importantes selon l'affluence où on prolonge l'heure de fermeture des attractions, forcément dessus. Comme dit Régis, en plus, c'est une très bonne école pour eux. On a une grille de salaire qui n'est pas désagréable puisque elle se trouve un petit peu au-dessus du SMIC standard, donc je pense que ça peut les intéresser. Et puis, nous, en fait, c'est 54 ans qu'on est là, donc on a le frère, la cousin, cousine, on a la deuxième, voire la troisième génération aujourd'hui, des gens qui ont travaillé pour mes parents. Donc, c'est sympa aussi de voir ce côté-là. Ça fidélise et il reste 4-5 saisons jusque quand ils ont le permis, la copine. Et on puis, voit également voilà. les enfants de nos collègues qui débarquent aussi l'été. Mais ça crée de la jeunesse, ça crée de l'émulation. Ça renforce le lien familial peut-être de... Tout à fait. Aussi des structures. On va parler de l'histoire et de l'évolution de vos structures dans quelques instants, mais je vous propose une seconde petite pause tout de suite, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le cuisse. Alors, deux questions, une à choix multiple, la deuxième sera une question ouverte. On va commencer par la première à choix multiple. Selon les chiffres de 2019, hein, je précise bien, selon les chiffres de 2019, lequel de ces lieux ne figure pas dans le top 10 des sites les plus fréquentés dans notre département, bien évidemment? Est-ce qu'il s'agit de la confiserie des Hauts-de-Vosges à Plainfin, la luge d'été de la Schlourte et le centre d'animation de la préhistoire à Darnay, donc lequel ne figure pas dans le top 10 des sites les plus fréquentés? Messieurs, est-ce que vous avez une idée sur la question? Moi, je vais être chauvin. Hein, mais moi, je vais éliminer l'ouest des Vosges avec Darnay, moi. Ça, c'est vraiment chauvin, mais je pense effectivement que en numéro 3 aussi. Alors, vous, c'est pas pour être chauvin, mais... Non. Alors, en effet, vous avez raison. C'est le centre d'animation qui ne figure pas dans le top 10. Conséquence des conditions météo en 2019, les musées, les confiseries ont grimpé dans les statistiques. Une augmentation de 14% pour les confiseries, 12% pardon, pour les confiseries et 3% pour les musées. Pardon. Donc voilà, donc c'était la bonne réponse. 255 300 entrées pour la confiserie des Hauts-de-Vosges à Plainfin. Vous en êtes à combien d'entrées alors en 2019, Patrice, c'était combien d'entrées? On a reçu 281 000 visiteurs. D'accord. Voilà. C'est plutôt conséquent, un bol d'air en nombre d'entrées. Nous, c'est un petit peu compliqué de comptabiliser ouais. Tout ça, mais on est peut-être une petite moitié, on est entre 120 000 et 130 000 visiteurs par an maintenant. C'est plutôt conséquent. Alors, la deuxième question, une question ouverte. Si vous deviez choisir un lieu, un endroit dans les Vosges que vous appréciez particulièrement, alors on va éviter Bolder et Frépertuis, ce serait trop chauvin là pour le coup, mais voilà, ce serait lequel? On va commencer peut-être avec vous Régis, un lieu que vous appréciez particulièrement. Alors moi j'ai choisi un lieu qui est très sauvage, beaucoup de quiétude, c'est un petit repère où j'allais camper le soir avec mon gamin, ou avec, j'ai rencontré mon épouse aussi, donc il y a beaucoup d'intimité. C'est un petit lac sauvage, voilà, au milieu de nulle part, entre la Bresse et Rochesson, et voilà, je m'y sens bien, et c'est important de retrouver, je dirais pas le retour aux sources, mais c'est quand même de l'eau, et ouais, beaucoup de quiétude. Parce que les Vosges, quand même, ça devient difficile de trouver des endroits... De trouver de la quiétude, un endroit voilà. Où on est tranquille. Donc le Prechia, comment ça se prononce? Ça s'appelle le Prechia. Le Prechia, c'est comme ça que ça se prononce. Mais voilà. C'est pas trop grave si on ne retient pas, parce que... C'est ça, comme ça, vous pouvez rester tout seul. Pour ça, je reste un petit peu vague sur les lieux. Je comprends. Patrice, de votre côté? Alors moi, ce serait plutôt une ville, parce que je, contrairement à Régis, moi, quand je suis trop seul, je me perds un peu. J'aime bien Remiremont. Je trouve que c'est une ville où ils savent. Il y a déjà de très jolies fontaines. Il y a des endroits, il y a des bords extérieurs où on peut passer du temps. L'hiver, je trouve qu'à Noël, c'est très bien décoré. Ce mélange où on n'est pas spécialement tout piéton, cette rue avec ses arcades,
l'architecture. Enfin, il y a plein de choses qui sont très jolies et j'aime bien cette ville. Eh bien, Remiremont. Voilà. Pour le deuxième, on n'en dira pas plus. Alors, est-ce qu'en pleine saison, on arrive quand même encore à s'évader, justement, et aller profiter de Remiremont ou de votre endroit secret? Ah oui, mais même un 15 août, je pense qu'il n'y a jamais grand monde. Mais j'en ai découvert d'autres aussi, dans le sud des Vosges encore. Et quand vous êtes en pleine saison au parc, est-ce qu'on arrive à sortir est-ce que vous arrivez à sortir de Frépertuis? Jamais, moi. Jamais? Non. Vous avez fait une exception pour nous aujourd'hui. Non, mais en fait, quand le parc est ouvert, je suis toujours au parc. Non, quand il y a des visiteurs, au moins du premier au dernier visiteur dessus, pour des raisons parce que je fais pas confiance qu'en moi. Il y a plein de gens très compétents avec moi, simplement que je ne suis pas bien quand je suis ailleurs et que le parc est ouvert. Bon, moi j'ai l'impression, toujours l'impression d'être important, mais en fin de compte, même si je ne sers à rien, je reste au parc. Après, effectivement, hors saison, j'en profite pour me balader. Des moments, bien sûr. C'est marrant parce que finalement, moi, c'est un peu tout le contraire. Justement, quand il y a du monde, je m'évade. C'est ça? Non, mais juste, je voulais souligner par rapport aux équipes, on en parlait tout à l'heure quand même, qu'on a du personnel et des équipes vraiment. Enfin, moi, je salue nos équipes, mon épouse en particulier, mais vraiment, on a des équipes de dingue, quoi, et qui sont quand même investies, impliquées. Il faut le souligner. Bon, je vois que le temps passe. On va quand même dire un mot sur l'histoire, Patrice. 1966. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment. Donc, mes parents décident de. Mon père a une envie de faire du loisir, passionné de luculuc, et puis recherche un endroit où il va faire de la pêche à la truite. Alors, comme je dis toujours, c'est la restauration de ma mère qui a ramené de l'argent, et mon père l'investissait dans les attractions. Il a fait le premier petit train, les poneys, mais les gens pêchaient la truite. Alors, il faut se remettre en 66, pas de poissonnerie. Les gens où pouvaient l'emporter, la belle truite, arc-en-ciel, ou alors ils pouvaient la déguster au restaurant. Et puis après, petit à petit, plus ma mère vendait de truites, plus mon père dépensait dans des trains, dans des forts Apache, sa passion luculuc. Et puis nous, mes trois sœurs et moi-même, avons repris en 98 l'aventure avec chacun son domaine, la communication, la restauration, les boutiques. Et puis moi qui dépense leur argent qu'elle gagne pour acheter du nouveau manège, de fait. Depuis 1966, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, il y a combien d'attractions à Frépertuis? On compte 35 attractions, et pas des moindres, puisque Timberdrop a quand même eu un record du monde, alors qu'il a certes pas gardé très longtemps, mais il l'a eu. Golden Driller, qui est aussi une attraction unique, puisque avec cette position debout à 66 mètres, il n'en existe pas ailleurs. On en aime bien aussi chercher toujours, mais vous voyez, c'est toujours marqué 66 sur l'Express 66 des Dresden 1966. On a toujours quand même un petit clin d'œil à nos parents qui ont commencé, puisqu'il fallait oser. La première fois que mon papa est rentré dans une banque pour lui dire je veux faire un parc d'attraction, je ne sais pas s'il est ressorti par la porte ou par la fenêtre, mais je crois qu'il n'a pas été bien reçu, et c'est pour ça qu'il a fait de la pêche à la truite. Et pas la nationale 66 qui passe au milieu du parc. Hein. Non. Régis, de votre côté, c'est une passion, le parapente, si je me trompe. Oui, moi je suis entré en parapente, comme peut-être certains en religion, et puis depuis, tout est un petit peu. J'avais envie d'être un petit peu moins dépendant de la météo. Et après, on a toujours répondu aux attentes de mon client, et c'est pour ça qu'on a fait dans un premier temps de l'hébergement. Et puis une fois, j'ai vu un reportage sur Capital de 10 minutes, et à l'issue du reportage, je me dis bon, c'est bon, on a de la forêt. C'était Denis Payan à Serre Chevalier. Je dis bon, il faut qu'on fasse un parc, mais on n'était pas du tout destiné à faire un parc. Et on a eu la chance également, parce que donc on l'a créé en 2000, 6 années plus tard, le parc il fonctionnait plus très fort. Alors que, et je tiens à souligner, aujourd'hui, c'est toujours le numéro 1 chez Boulder, dans les activités. Donc, il a bien résisté. Et on a eu, on a pu bénéficier de Fantastica, qui était chez nos collègues à Gérardmer, qui est arrivé, ce qui nous a fait sortir, finalement, du parc traditionnel pour aller vers plus de sensations. Et depuis, ça ne nous a jamais quittés, en fin de compte. Vous avez, alors, expliquez-nous. Donc, Boulder, c'est des cabanes. C'est un accrobranche, c'est un bois des lutins, c'est un ensemble finalement de choses. Oui, en fait, c'est énormément de choses. Et puis dernièrement, c'est quand même souvent des nouveautés avec la Boulder Line, où finalement on était les premiers en Europe, qui est une sorte de tyrolienne à virage, le Fantastic Up qui reste quand même quelque chose qui fonctionne bien. Bien sûr, il y a pléthore aujourd'hui de grandes tyroliennes à grande vitesse également. Mais c'est aussi parfois un retour nature avec les cabanes, le côté cocooning, le côté un petit peu
tranquille. Et puis, on a essayé toujours d'avoir des animations qui soient famille, et pour les petits et les grands. Et on continue. On en parlait tout à l'heure avec Pixel World, le nouveau Explore Game. Mais généralement, il y a Sentier Pieds Nus, Practice de Sentier Pieds Nus. Enfin, c'est quand même une multitude d'activités. Je ne sais même pas combien exactement. Et on en a encore plein dans les tuyaux. Et bien justement, il nous reste 30 secondes. On va déborder un petit peu. Je me ferai peut-être un peu engueuler, ce n'est pas grave. Mais en termes de projet, est-ce qu'on pense déjà à l'année prochaine ou aux futures attractions, Patrice? Oui. Est-ce qu'il y aura une nouveauté en 2023? On y travaille. Alors en 2023, c'est moins sûr parce que celle qui doit venir prochainement sera certainement lourde financièrement, donc on va peut-être pas. Mais on travaille aussi sur un bâtiment logistique, puisque c'est important. Lui sera peut-être en 2023, mais ce ne sera pas vraiment une nouveauté pour nos visiteurs. Après, c'est la saison qui va un petit peu décider. Vous savez, généralement, on compte l'argent en fin de saison, sauf sur le gros projet qu'on a pour éventuellement 2024, voire 2025, où là, bien sûr, il va falloir mettre de côté, puisque là, on va plus de casser la tirelire. On peut en savoir plus ou c'est encore top secret pour le projet? Non, on revient sur un... C'est pas vraiment top secret, on revient sur un nouveau un roller coaster dessus, mais qui est censé générer beaucoup de visiteurs. Donc, bien sûr, il faut penser à tout ce qui va, autant le stationnement que... C'est ça, vous êtes justement pour parler, pour l'agrandissement du parking. Ouais, on aimerait bien dessus, puisque là déjà là on est limite, que ce soit sécuritaire pour nos visiteurs dessus et pour les perspectives de Frévertu. Donc il faut déjà qu'on règle ces problèmes-là de façon à pouvoir donner le feu vert à nos banques, ou qu'ils nous donnent le feu vert plutôt. Ou que les banques vous donnent le feu vert. Régis, de votre côté, en quelques mots peut-être, les projets les années à venir. On a trois cabanes en cours qui sont plutôt haut de gamme, hein, puisque finalement on veut de l'aventure, mais avec un petit A d'aventure et un grand C de confort. Donc plus les cabanes sont confortables et plus elles sont plébiscitées. Et puis on est quand même toujours en train d'évoluer aussi, on parlait tout à l'heure, nous on a une vitrine chez nous qui n'est pas très attractive, donc on a des vilains garages, une sorte de verrues qu'il faut qu'on solve le problème, donc on est déjà en train d'y réfléchir et voilà, pour avoir une boutique je dirais plus attractive et puis avec des souvenirs à la sortie, restructurer quand même notre offre je dirais de... pour les casse-croûtes et tout ça, parce que là, on voit qu'on a une marge de progression. On en discutait avec Fabrice tout à l'heure. Et puis pour le reste, on ne manque pas d'idées. Il va falloir quand même qu'on se positionne sur laquelle choisir. Écoutez, merci en tout cas à tous les deux d'être venus sur notre plateau. J'espère qu'on aura donné envie aux rares Vosgiens qui ne sont peut-être encore pas venus dans votre parc d'y venir. Il fait beau pour ce week-end, donc c'est peut-être l'occasion. Merci à tous les deux. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.